Il croit qu'on dit hello la Garnier Family, trop mignon, mon amour, t'es trop beau. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Bah oui, ça va. Je vous fais le début de cette vidéo avec mes deux petits princes parce qu'ils veulent pas me lâcher, regardez, ils veulent pas me lâcher. Mignon, mignon, trop, trop. Mignon, 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 trop, trop. Et pourtant, je suis en retard, alors je dois aller au mall, je vois une amie. Et voilà, du coup je me suis préparée, je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous filmer une petite vidéo. Comme à Dubaï il y a la boutique Misguided, je me suis dit... Bon attendez, je te pose Kikino. Kiki, Kiki. C'est Kiki. Je vous reprends ici du coup. Ce que je disais, c'est que comme à Dubaï il y a la boutique Misguided, et ben je me suis dit que ce qu'on pourrait faire, c'est aller directement dans la boutique, vous montrer un peu les articles qu'ils mettent en vente en boutique directement, et voilà, faire une petite sélection avec vous, faire quelques essayages aussi. Et voilà quoi, donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Pour vous montrer un petit peu aujourd'hui ce que je porte, bon, bah, je pense que vous l'avez un petit peu vu là déjà, vu que je portais Kian. Alors j'ai cette petite robe qui vient de Forever 21. Voilà, un peu en mode juste un peu mimi quoi. J'ai mis un petit haut en dessous, parce que sinon elle est décolletée comme ça quoi. C'est pas top top. Et avec ça j'ai mis mes petites baskets blanches Chanel que j'ai bien besoin de mettre à la machine à laver. Voilà, hop. En sac j'ai pris le boy noir. Et voilà. Sinon je me suis juste mis un petit, je crois que je suis tout en Chanel. J'ai mis le petit collier Chanel. Et voilà, dans la coiffure, j'ai essayé un petit peu d'attacher sur les côtés avec un tout petit serre-tête là. Voilà, ça donne un petit côté romantique, on va dire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je me fais une coiffure ou quoi, au bout d'un moment, j'en ai marre dans la journée, j'en ai tout. Bon, bah voilà, on perd pas plus de temps. On y va. Et voilà, si vous aimez cette vidéo, bah, n'oubliez pas de me laisser un petit like pour savoir en fait quel type de vidéo vous aimez. Laisse-moi un commentaire aussi. Et. Pourquoi pas t'abonner à la chaîne. Ok, voici donc la boutique Misguided, comme je vous ai dit. Donc là à Dubaï, au Dubaï Mall, on a la boutique juste là, qui est quand même super grande, vous allez voir. Alors déjà pour voir une pièce qui est vraiment tendance en ce moment avec les manches bouffantes. Bon après le modèle en soi, je pense qu'il peut faire super joli quand même porté quand t'es bien foutu. On a ça, voilà, avec le blazer et le short qui va avec. Ça j'aime beaucoup. Je sais pas, ils sont super froissés, c'est bizarre. Regardez. C'est super froissé. Même quand tu commandes sur Misguided, ça arrive pas froissé comme ça, c'est chelou. Voilà, tout ce qui est petit top avec les manches bouffantes comme ça, il y en a partout. Toutes les couleurs aussi. Voilà. Vous voyez, là de ce côté, c'est vraiment beaucoup ce qui est soirée quoi. Voilà, les petites robes de soirée. Tac. Très satin, très... très soirée. Enfin, regardez, c'est trop sympa, ils ont pensé à tout dans la boutique Misguided, voilà. Si tu viens avec ton chéri, il peut t'attendre là, bien tranquillement. Voilà, je suis avec une copine, elle fait une sélection aussi. Pareil, la petite robe en jean qui est grave revenue à la mode, mais j'en ai déjà pris une en fait. Après, t'as tout ce qui est coin plage quoi. Donc t'as tout ce qui est maillot, les petits trucs à mettre par-dessus, des petits pantalons. Des petits hauts, voilà. Voilà, cabine d'essayage, on va essayer. Donc, alors j'ai pris ce pantalon, vraiment en mode classique. D'ailleurs, vous trouvez quasiment la même chose chez Zara. Bah, le même, vraiment, je crois que je l'ai en Zara. Chemisier à bretelles, sans manches. Voilà, je sais si vous montrer, même si bon là j'ai vraiment pas le soutif adapté, donc on essaie de cacher un petit peu quoi. Et voilà, il se fait un peu sur le côté, super mignon. Voilà. Alors là ce que j'ai essayé donc c'est un short que clairement tant que j'ai pas perdu de poids je ne mettrai pas, avec un body blanc et la veste en fait qui va avec le short. Voilà. J'aime bien, mais bon,
short pour moment aussi court et comme ça je n'ose pas. Même si avant je portais que ça. Bon, mes amours, pour vous expliquer, ça a été un petit fail quand même, les essayages. Du coup, je n'ai pas montré grand chose. Je vais vous montrer quand même quelques sélections qu'on avait faites. Le souci, c'est que il n'y avait pas toutes les tailles et certaines tenues ne m'allaient tout simplement pas. Mais bon, voilà, je vous montre quand même. Donc là, on a un pantalon blanc, tout simple, qui vient avec sa veste aussi. Bon, je vous montre peut-être comme ça. Je l'ai mis avec un des bodys roses et ça faisait juste magnifique parce qu'en fait ça casse le côté strict au fait du tailleur avec un petit body un peu dentelle, un peu sexy mais qui est caché aussi par la veste. Après moi c'est le pantalon qui n'allait pas pour moi, qui est aussi un peu transparent. Du coup au fait ce que je vais faire c'est je vais prendre ce body, je vais le prendre aussi en blanc parce que ça fait un bon moment que je recherchais des bodys un peu du style et aussi il est pas transparent partout au fait, vous voyez, il est en satin, il est transparent sur le côté et l'arrière, enfin sur le dos quoi. Regardez sinon la cabine d'essayage de Miss Gazi, c'est tout mignon, c'est tout rose. Hello tout le monde, voilà je suis rentrée. Ça fait un petit moment quand même, mais bon, comme j'ai un peu traîné au centre commercial, j'étais avec une copine et tout, bah finalement au moment de rentrer, j'ai dû, bah voilà, tout s'est enchaîné, donner à manger aux enfants, ensuite leur donner le bain, les endormir, etc. Donc voilà, tout est fait. J'espère que vous avez kiffé voir la boutique Missguided parce qu'en fait c'est vrai que ici, bon, en tout cas moi à chaque fois que j'ai des copines qui viennent à Dubaï et qui savent qu'il y a une boutique Missguided, elles veulent absolument aller la voir. Bon c'est vrai que en ligne le côté pas pratique c'est qu'on peut pas essayer et tout, donc on se dit mais trop bien s'il y a une boutique et tout, tu peux tout essayer et tout ça. Donc là vous avez un peu vu même comment c'était un peu la déco et tout, c'est trop mignon, tout en rose et tout ça, non mais j'aime beaucoup. Voilà, alors comme vous avez vu, bon elle est super grande la boutique, mais forcément on peut pas trouver dans une boutique tout ce qu'on a en ligne. Voilà voilà, bah écoutez, ça a été un mini fail aussi les essayages par contre, parce que là pour le coup il n'y avait pas toutes les tailles de disponibles et puis j'allais pas à chaque fois ressortir, amener d'autres tenues etc. J'ai essayé de vous montrer aussi en boutique directement ce qu'il y avait. Dites-moi en tout cas si vous aimez ce concept. Peut-être la prochaine fois le faire un peu plus en profondeur, vraiment rester plus longtemps dans la boutique, regarder plus de produits. Je vous montre tout de même ce que j'ai pris. J'ai vraiment pas pris grand chose cette fois-ci. J'ai juste pris deux bodys parce que c'est quelque chose que je cherchais depuis un bon moment en fait. Et le problème c'est qu'à chaque fois que je trouvais des bodys, l'espace pour la poitrine est vraiment trop petit. Et du coup, ben, ça faisait pas joli avec une forte poitrine. Et là, au fait, du coup, j'ai pris celui-ci. Après, j'ai pris en grande taille, vraiment, parce que là, pour le coup, c'est trop grand pour moi. J'ai pris du 42. C'est trop grand. Au niveau du ventre, c'est un tout petit peu relâché et tout ça. Mais au moins, au niveau de la poitrine, c'est pas trop petit. Et moi, il y a un truc que je déteste, par exemple, avec les tenues House of CB. Je sais pas, mais en fait c'est tout le temps tellement petit au niveau de la poitrine. Mais même si, genre c'est impossible en gros quand t'as une grosse poitrine de prendre certaines de leurs robes quoi. C'est impossible. Ah, du coup je l'ai pris en blanc. Recherchais à la base c'était du blanc, mais j'ai trop kiffé aussi le rose. Et du coup je l'ai aussi pris, voilà. Trop mignon. Pour vous montrer, je suis passée un peu à Sephora. Chez Sephora, je me suis pris un gros pinceau pour la poudre visage quoi. J'ai repris un beauty blender parce que Ryan me défonce tous mes beauty blenders. En ce moment j'ai la peau vraiment dégueulasse, genre trop de fatigue, pollution, les voyages, tout ça. Donc j'ai pris quelques masques chez Sephora, donc j'en ai pris un nourrissant et apaisant, un défatigant et énergisant, et j'en ai pris deux aussi pour en dessous des yeux. Voilà, j'ai pris le stick Fenty Beauty contour, je l'ai pris en mocha, voilà. Je me suis repris mon anti-cerne Tarte et j'ai pris deux gloss Sephora en sans transfert. J'ai pris la teinte 83 et 76. Le 76 c'est un peu un marronné. 83, je crois que j'ai jamais mis ce type de couleur. Ah, il est beau. Il teint un peu vers le mauve. Et je prends toujours les sans transfert maintenant parce que
Parce qu'avec les enfants et tout, bah, faire des bisous et tout ça, quoi. Je vais pas m'empêcher de faire des bisous parce que j'ai un rouge à lèvres. Vous en pensez quoi? Mais voilà. Hello. Pour Sephora, c'est ce que j'ai pris. Là, c'est bon, il est temps. Je vais me démaquiller et je vais aller me mettre au lit. Je suis explosée. Voilà. Ceci dit, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.